Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Destroy All Humans. Donc c'est la démo, on est sur PC. J'enlève une oreillette parce que sinon j'entends pas grand chose. On est sur PC et donc ça sortira, il me semble, le 28 juillet. La démo est disponible sur GOG, le site GOG, là, GOG, je vous mettrai certainement un lien dans la description. Du coup, c'est un remake du premier. Il avait déjà, il me semble qu'il avait été remasterisé, j'ai vu ça tout à l'heure parce que j'avais loupé ça en 2016. Et là, c'est un remake, vraiment, du premier. Donc on va lancer ça. La démo est dispo depuis un petit moment. Mais bon, j'avais pas eu le temps de m'en occuper. Est-ce qu'on peut passer ça? On va passer ça, c'est la démo, donc on va pas non plus... Hop, on va passer les cinématiques, on va essayer de jouer pour voir à quoi ça ressemble, surtout visuellement. Donc, mission. Ok, donc oui, c'est pas vraiment un open world hein, comme on a maintenant. C'est vraiment... C'est vraiment des missions qu'on sélectionne. Donc là, on a un arbre de compétences. Là, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce que vous voyez, il faut débloquer ça. Il faut faire des missions pour gagner des choses. On peut aussi améliorer la soucoupe. Pareil. Bah écoutez, on va tout de suite lancer une mission. On va y aller. Je n'ai pas essayé le jeu avant, donc je ne sais pas si ça marche bien. J'espère. Explorer les lieux que vous avez débloqués pour découvrir des défis. Ouais, parce qu'une fois que vous avez fait la mission, vous pouvez quand même revenir sur le lieu. Attendez, je vais déplacer un petit peu le micro. Sur le lieu où vous avez eu la mission. Donc là, la config, alors s'il y a des petites baisses de framerate ou quoi, ce sera la capture, parce que moi, ça marche très bien. La config, c'est un i7-7700K, une RTX 2060, 16 Go de DDR4 de 3200 MHz, et c'est installé sur un disque dur hybride. Je viens de me commander un SSD 1 Tera là pour mettre les jeux. Parce que moi, 1 Tera, ça me suffit largement, j'installe jamais 25 jeux en même temps. J'ai un peu de mal à comprendre les gens qui te disent 1 ou 2 Tera, c'est pas suffisant pour les jeux, comme si tu jouais à 30 jeux différents en même temps. Ça sert à rien de tout installer en même temps si tu joues pas à ce qu'il y a installé. Donc j'en ai commandé un. En fait là j'ai que mon système qui est installé sur un SSD. Allez, on va passer. Là, voilà la caméra, franchement c'est super fluide, j'espère que ça donnera ça sur la capture aussi. Là on saute, pour l'instant sur les touches là on fait pas grand chose. Ouais, de toute façon là il y a... C'est une sorte de mission tuto je pense. Ouais, voilà, il y a l'esprit d'une vache. Il va pas y avoir grand chose à retenir d'une vache. Ah non, mon petit pote, les vaches, elles diront rien d'autre que ça. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections?
Earth creature, I am addressing you. Respond or... Alors cette vache, elle ne te répondra pas. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. We neurons have evolved the astounding power of psychokinesis, Crypto. Target an object or creature and lift it into the sky. Use PK to finish off the belligerent bovines. Voilà. On peut faire des trucs comme ça, vous voyez. On peut se taper des délires avec les vaches. Wait a minute, that ain't steak. That's holy mother. Martha, give me the shotgun. This looks like a job for the Zap-O-Matic. Fry that farmer. Drop the farmer, dadgummit. Put me back. Extract and collect the brain. Extraire son tronc cérébral, en fait, c'est comme ça qu'on gagne de l'XP et qu'on devient plus intelligent. Il est pas vert. Ok. Be merciless. Let none survive. Let me go, you fool. Hop. On va lui prendre son cerveau maintenant à lui. Hop. Hop, on va récupérer. Après, il y a moyen de faire des choses avec... encore comment on marche tous les trucs. Bon, vous voyez que visuellement c'est pas non plus la folie, hein. Ils ont gardé le style de l'époque, c'est, un peu, c'est quand même plus joli qu'à l'époque forcément. Mais bon, je me dis qu'on est sur PC, c'est quand même pas la folie, hein. Mais ça va. Crypto, that human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum. Il va falloir que je vienne m'occuper de leur cas. Oh, the furonity. Vaporize them, Crypto. Merde. Soulever la voiture. Normalement, après, ce sera possible. Là, je peux pas encore le faire. Hop. On va d'abord récupérer sa tête. Et on va rentrer dans la soucoupe.
Take a spin in your saucer. Get a feel for the controls and go ahead and start shooting. Destroy all buildings. Leave no trace. Ah, en plus, du coup, de faire le... Au final, de faire le tuto comme ça, ça va vous permettre juste de voir à quoi ça ressemble. Et puis, pour ceux qui veulent essayer le jeu... Il y a la démo disponible. Ça, je vous ferai pas toute la démo. Ça se passe dans les années 50, hein. Qui explique aussi les véhicules et tout, à l'ancienne un peu. Move out, man. Move. I don't know, but I've been told. I don't know, but I've been told. Joe McCarthy's good as gold. Joe McCarthy's good as gold. Oh, great. The human military industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them. Now! Open fire! Okay. Crypto, I hereby give you official permission to destroy all humans. Là, c'est un peu plus compliqué de viser avec ce truc-là. On va balayer un peu de cette manière. Je crois que la caméra est un peu géante là, je trouve. J'aurais préféré pouvoir la mettre un peu plus derrière. Je sais pas ce que c'est drainer. The humans are making a final push. Wipe them out once and for all. Vous imaginez les gars, les dégâts que je fais, je suis tout seul. C'est assez délire hein, comme jeu. Hein. Pas du tout chercher du sérieux là-dedans. J'ai tout cramé. J'ai tout cramé. Wiping out the best infantry unit in the U.S. Army. Right, good. Me too. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the papers got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. Eggheads, we're actually onto something? I don't believe it. Believe it. Roswell was only the beginning. The invasion is on. C'est l'invasion. Mission accomplie. Bon. Bah écoutez, je pense que ça va être pas mal du tout. Ah, c'est terminé. On va passer ça. Merci d'avoir joué à la démo. Ok. Ça sort normalement le 18 juillet, il me semble. Donc, on va pas retourner explorer la zone dans laquelle on était. Hein. Ça sert à rien, voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemble. Je pensais qu'on pourrait jouer un petit peu après encore. Donc, c'est pour ça. Bah, ça fait pas une trop grosse vidéo comme ça.
Donc, bah, si ça vous intéresse, comme je disais, 18 juillet, normalement, ça sort sur Steam. C'est disponible sur mon lien Instant Gaming, ou alors ce sera disponible sur Steam directement. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.